Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous rejoindre sur la télévision Anne-Nostre 24. Bienvenue au compte de ce journal. Le président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a accordé ce 25 mai 2022 une audience au groupe des ambassadeurs de l'Union européenne accrédités au Tchad. La bonne marche du processus de transition a constitué l'essentiel des discussions. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. L'Union européenne est l'un des partenaires traditionnels du Tchad. La coopération Tchad-Union européenne est diverse et variée. Elle couvre plusieurs domaines, notamment les infrastructures, l'accès à l'eau potable, le développement rural, l'énergie, l'aide humanitaire, la recherche de la paix, la sécurité, la bonne gouvernance, les droits de l'homme, etc. Ce mercredi 25 mai, Leur Excellence Kurt Cornelis de l'Union européenne, Bertrand Koucheri de la France, Gordon Krisch de l'Allemagne et Madame Sonsoles Ballesteros, chargée d'affaires de l'ambassade d'Espagne, sont venus faire un tour d'horizon de ces différents axes d'intervention de l'Union européenne au Tchad avec le chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Monsieur le Président nous a donné l'opportunité d'échanger sur quelques sujets d'actualité, notamment la transition. On a aussi parlé disons, la crise socio-économique, parce qu'il y a beaucoup de problèmes en ce moment. Il y a une crise énergétique, une crise alimentaire, donc on a échangé sur ça. Et finalement, on a aussi abordé la problématique du G5 Sahel, dont la présidence est toujours au Tchad. Le processus de transition en cours n'a pas été perdu de vue. Les ambassadeurs ont évoqué également la question avec le chef de l'État. Sur la transition, notre position est très claire. On appuie une transition inclusive. Comme le chef d'État a dit, il veut une transition exemplaire, souveraine. Donc c'est quelque chose qu'on peut effectivement appuyer. En même temps, on constate qu'il y a certains délais dans la transition et ça nous préoccupe un peu. Les discussions entre le chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno et les ambassadeurs européens accrédités au Tchad ont été franches et fructueuses. Le président du Conseil militaire de transition les a encouragés à maintenir et dynamiser ces partenariats exemplaires. À la primature, le premier ministre des Transitions, Payimi Padaki Albert, a eu une rencontre ce 25 mai 2022 avec les chefs des partis politiques, une rencontre qui vise à échanger avec les leaders de ces partis sur la transition en cours. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la télévision nationale. Pour rendre la trajectoire de la transition irréversible, le premier ministre de Transition, Payimi Padaki Albert, a entamé une série de rencontres. Après avoir rencontré les leaders religieux, les syndicalistes, les ambassadeurs accrédités au Tchad, les diplômés en instance d'intégration à la fonction publique, cette fois-ci, c'est le tour des leaders des différents partis politiques. Les échanges portent essentiellement sur le processus de transition dont les partis politiques sont les animateurs de la vie politique. Nous devons ensemble profiter de ce climat apaisé pour jeter les bases d'un nouveau contrat social conformément à la feuille de route du gouvernement de transition. Le dialogue national inclusif et souverain en préparation représente une opportunité rare pour le peuple tchadien de laver les linges sales en famille et refonder de nouvelles règles du vivre ensemble dans la dignité, dans la justice, dans l'égalité et le respect réciproque de nos riches différences. La réussite de la transition implique tous les acteurs. À cet effet, le chef du gouvernement, Payimi Padaki Albert, exhorte les cadres politiques à apporter leur contribution. Pour vous, acteurs politiques particulièrement, est d'aller rapidement aux urnes afin de redonner la parole au peuple souverain. Le président du Conseil militaire de transition et moi-même sommes résolument engagés pour des élections libres et transparentes dans les meilleurs délais possibles. J'invite la classe politique à ne pas se laisser distraire
d'aller à l'essentiel, revenir par le compromis les conditions de cette compétition loyale. Au-delà de la contribution des cadres politiques, le chef du gouvernement de transition, Paimi Padagé-Albert, invite toutes les couches socioprofessionnelles à une synergie d'action pour une transition consensuelle pour l'intérêt supérieur de la nation. Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, a abrité ce 25 mai 2022 les sommets extraordinaires de l'Union européenne. Ces 15e et 16e sommets permettront aux acteurs africains et les pays coopérants de revoir plusieurs aspects des points. Et point essentiel, le Tchad a été représenté par le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Chérif Mahamazine. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la télévision nationale. République de Guinée équatoriale, des travaux de la 15e et 16e sommet extraordinaire de l'Union africaine du 23 au 28 mai 2022. Il s'agit du sommet humanitaire et de la conférence des donateurs qui porte sur le thème « Financement de l'action humanitaire ». Relever les défis humanitaires actuels en Afrique. L'ouverture de cette session ministérielle a été marquée par les allocutions du président de la Commission de l'Union africaine, du ministre guinéen des Affaires étrangères, pays hôte, et de la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, présidente de la séance. Ces assises se pencheront sur les efforts engagés par les États membres de l'Union africaine pour faire face aux multiples défis auxquels l'Afrique est confrontée. Défis aggravés par l'avènement de la pandémie de COVID-19, la guerre en Ukraine et des catastrophes naturelles. Les discussions permettront d'identifier des solutions concrètes et durables pour relever ces défis, notamment des solutions qui contribuent au redressement post-conflit, la paix et le développement. À l'issue de ce sommet, il s'agira pour l'UIA de mettre en place son programme humanitaire au cours de la prochaine décennie. Discuter de la mise en œuvre opérationnelle de l'Agence humanitaire africaine, plaider pour un financement durable et mobiliser des ressources pour la réponse humanitaire en Afrique. Le Tchad est représenté dans les activités de la session ministérielle par le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Chérif Mahamazine, à la tête d'une délégation composée d'experts et de diplomates. Dans le cadre du dialogue national inclusif en cours, une équipe de la radio-télévision annoncera interroger le président du sous-comité pour la cohésion sociale et la réconciliation nationale du CODNI, entendu comité d'organisation du dialogue national inclusif sur les avancées des assises qui se tiennent à Doha au Qatar entre les gouvernements tchadiens et le politico-militaire. Suivez à ce sujet Abderrahmane Koulamallah qui donne plus d'éclaircissements au micro de notre reporter Mohamed Toukour. Par rapport à Doha, je pense que les choses avancent lentement, mais avancent sûrement, parce qu'il ne faut pas précipiter les choses. Si on veut faire un bon travail, c'est vrai que nous avons reporté plusieurs fois, il vaut mieux plus tard que jamais. Moi, je suis ce qui se passe là-bas, et j'ai même été sur place, et je crois que les choses sont en train d'avancer. Bon, on n'a pas une date encore, mais très prochainement, il y aura la date qui sera fixée, mais ce sera une date consensuelle. Ce ne sera pas une date qui sera fixée à partir de N'Djamena, mais avec l'accord, en tout cas, des politico-militaires et des médiateurs et des pays amis qui sont en train de suivre, pour s'entendre sur une date de façon à ce qu'on ne puisse pas encore reporter. Mais ce dialogue aura lieu assurément. Donc, il ne faut pas que les gens s'impatientent. Nous avons beaucoup attendu, mais les choses se font sérieusement. Donc, nous allons arrivé à la date et sera fixé prochainement d'ici peu, on aura une date consensuelle. L'Alliance des associations de la société civile et des organisations tchadiennes à Dakot a organisé ce 26 mai 2022 une journée de sensibilisation au profit des élèves du lycée Ibn Sina, section filles et garçons, dans la commune du 5e arrondissement. L'objectif de cette journée est de sensibiliser les élèves sur les mots qui minent la société tchadienne. Dans son message, le président de la dite alliance, Aboubakar Abdallah Mohamed Bourgo, appelle les élèves à la culture de la paix et préserver les acquis de l'État et promouvoir la cohabitation pacifique tout en gardant l'esprit du patriotisme. Notons que la Dakot se rendra dans d'autres établissements pour la même cause. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain, Inch'Allah.